La croisade a commencé. The crusade has started. Il est bon que chacun ait des objectifs clairs au niveau individuel. It is good that each one of us should set some clear objectives at the individual level. Surtout les objectifs au niveau du caractère. Above all, objectives related to the character. Si tu as des objectifs précis au niveau du caractère, if you have precise objective as far as character is concerned, Dieu va te bénir. God will bless you. Quelqu'un dise pour nous Matthieu 6, 33. Let someone read for us Matthew 6, verse 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Matthew 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and the righteousness and his righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. Donc tu regardes dans ta vie. So you look in your life. Tu identifies les traits de caractère de Satan qui doivent disparaître. You identify the characters of Satan that should vanish. Tu prends la prophétie. You take the prophecy. Le message de Bertoua. Of the prophecy of Bertoua. Tu regardes. You look. Parmi les choses qui doivent quitter ta vie, dont tu dois te débarrasser. Among the things you should get rid of. Tu identifies celles qui sont dans ta vie. You identify those things that are in your life. Et tu dis à Dieu. And you tell God. Oh Père. Oh Father. Que je ne sorte pas de ce jeûne. Let me not get out of this fasting. Étant encore sous l'emprise de tels traits de caractère du diable. Still being under the grip of such or such character of the devil. Dieu va t'exaucer. God will grant you. Il y a beaucoup de besoins dans le monde. There are many needs in the world. Physiquement. Physically speaking. Tu as des besoins. You have needs. Émotionnellement. Emotionally. Tu as des besoins. You have needs. Même ton esprit. Even your spirit. A des besoins. Has needs. Et l'esprit de Dieu en toi. And the spirit of God in you. A des besoins. Has needs. Il travaille pour te changer. It works to change you. Tu peux mettre son travail au dernier plan. You can put his work at the last plan. Comme tu peux mettre son travail au premier plan. And you can also put it at the first level. Et tu privilégies l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de produire en toi. That is, you put stress on the work that the Holy Spirit is producing in et you. Et tu décides que tu ne seras jamais un obstacle à cette œuvre-là. You decide that you will never be an obstacle to that work. Viens lire pour nous Hébreux chapitre 12. Come and read for us Hebrews chapter 12. Lis du verset 1 au verset 4. Read from verse 1 to verse 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne menaciez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us,
and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Amen. En lançant la croisade hier, while launching the crusade yesterday, le leader mondial a commenté ce passage. The word leader made a commentary upon this passage. Et il le donnait en termes d'objectifs à atteindre dans des vies individuelles. He was giving all those things as objectives that should be reached in individual lives. Et nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était donnée, qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Il disait en substance que il y a les ennemis interne. He was saying that there are internal enemies. Il y a des ennemis externes. And there are external enemies. Il y a les mauvais caractères, il y a ceux qui te clouent au sol, qui t'empêchent de t'envoler. There are evil characters, those characters that prevent you from flying, from moving ahead. Il y a les fardeaux. There are burdens. Le péché, and the sin, et les fardeaux, and burdens. Dans l'épître aux Hébreux, in the epistle to the Hebrews, l'auteur dit que le péché enveloppe facilement. The writer says that sin easily ensnares us. Donc il faut faire attention. So you must pay attention. Le péché, sin, enveloppe si facilement. So easily ensnares us. Donc pour courir, la Bible ne dit pas de marcher. La Bible dit que il faut courir avec persévérance. So for you to run, the Bible doesn't say that we should walk, but we should run with endurance. Donc pour courir, so for you to run, il faut enlever les fardeaux, il faut jeter les fardeaux. You must remove, you must get rid of burdens. Il faut les rejeter, faut les chasser de ta vie. You must reject them, you must cast them out of your life. Si tu laisses les fardeaux t'écraser, if you let burdens crush you, tu ne peux pas courir. You will not be able to run. Peut-être que tu cours un peu. Maybe you run a bit. Mais bientôt ça va s'arrêter. But very soon it's going to stop. Parce que ce que Dieu veut, what God wants, c'est que je cours, que tu cours avec persévérance. Is for me to run and for you to run with endurance. Mais s'il y a les fardeaux, but if there are burdens, les fardeaux au sujet des enfants, du travail, burdens of children, the burdens of about your work, les difficultés de la famille, the difficulties of the family, tous ces fardeaux, all those burdens, vont t'empêcher de t'envoler. Will prevent you to fly. La convoitise, covetousness, le manque de pardon, lack of forgiveness, jalousie, ça c'est le péché. These are sins. Ça t'enveloppe facilement. They easily ensnare you. Tu peux te retrouver dans un péché. You can find yourself in a sin. Sans savoir comment tu y es arrivé. Without knowing how you got in that sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il a dit que les choses comme les maladies, he said that some seront combattus, déracinés.
Sicknesses will be uprooted. En fait, c'est le même plan d'action, presque. It is the same plan of action. Quand je méditais sur la croisade, when I was meditating on the crusade, le Seigneur me faisait comprendre qu'il faut inclure le combat spirituel. The Lord made me understand that we shall include the spiritual warfare. Je croyais que ça allait être comme les combats de les croisades de, des the années passées. The crusade of the past years. Mais cette année, but this year, au niveau même du quartier général, at the level of the general headquarters, le combat spirituel va chauffer là-bas. The spiritual warfare is going to be hot there. Les démons ont reçu l'avertissement. Demons have been warned. Alléluia. Praise the Lord. Et si, and if so, ça sera chaud. D'abord, on a commencé hier. Il y a eu plein de guérisons hier. It will be hot. It started yesterday. There were many healings yesterday. Qui était là hier? Who was here yesterday? Donc chaque soir, so each evening, combat contre le péché. Fight against sin. Combat contre les maladies, les principautés, les hommes fight forts. Fight against sicknesses, principalities, and strong men. Il y a des démons, il y a des esprits puissants qui dominent sur les familles. There are demons and mighty spirits that. Nous étions à Yamsokro. We were in Yamsokro. On a bombardé. We bombarded. On priait qu'il n'y ait aucune chose sur la terre. We are praying that there should not be anything on earth qui puisse opposer au dessein de Dieu dans nos vies. That will oppose the purposes of God in our lives. Quand on a fini ce sujet de prière là, when we finished that prayer topic, j'ai demandé les témoignages. I asked testimonies. Ceux qui ont vu des visions. Those who got visions. Une sœur dit qu'elle a vu un homme grand, de géant, avec trois bras. A sister said that she saw a giant with three hands. Et il est parti de la salle, sorti, s'écroulé dehors, dandinant avec les bras cassés. And he went out of the hall and fell Jesus down outside with broken hands. Dit Jésus est puissant. Say Jesus is mighty. C'était la première fois d'entendre qu'un esprit a trois bras. It was the first time that I heard that a spirit has possesses three hands. Ce n'est même pas Jésus qui l'a touché, c'est les enfants, les petits frères de Jésus ont crié une seule fois. Il est parti tomber dehors. It is not even Jesus who touched him. It's the younger brothers of Jesus who shouted to the Lord and he went out. Hallelujah. Praise the Lord. Quand j'écoutais ça, j'étais heureux. When I listened to that testimony, I was happy. Mais je cherche cette sœur là. But I'm seeking that sister. Je veux lui demander que le troisième bras là était où? To ask him. Était dans quelle partie de son corps? The third hand, in which part of his body it could be found? Parce qu'il faut qu'on décrive comme l'Ézéchiel le décrivait, qu'il y avait tant Dieu, il y avait des roues qui tournaient de cette manière avec précision. Il faut qu'elle nous dise que le bras était soit au front, soit sur la poitrine et comment ça s'est brisé parce qu'on n'avait pas le temps d'écouter tout ça. So things must be explained clearly and we should be informed where the hand was fixed on his body. Mais maybe on sache que cette croisade, but know that this crusade est pour le réveil, is for the revival. Et le lieu idéal où tu dois être, c'est ici. And the ideal place where you should be is here. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu nous aime beaucoup. God loves us so much. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, for those who were missing yesterday, la nuit de prière, for those who were missing at the prayer night, il y a tellement de miracles que nous-mêmes nous commençons, notre foi grandit. There are so many miracles. Est-ce que la sœur Adonie est là? There are so many miracles that our faith is growing. Is Sister Adonie around? Qu'est-ce que je veux dire? Si tu as la foi, frère. If you have faith, brother. Il y aura des miracles pendant cette croisade. There will be miracles during this crusade. Vas-y. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Adonie Valérie et mon faiseur de disciples, c'est le papa Meunier. Alléluia.
Il s'agit du frère de Yam Sokro, Papa Alexis. Alléluia. C'était en 2018, à la veille des fêtes de Pâques. Il n'avait seulement que 2500 et il était avec sa fille. Donc sa fille lui a demandé, « Papa, nous sommes, demain c'est la fête de Pâques et nous, il faudrait qu'on mange un poulet. » Gloire à Dieu. Il a dit à sa fille que je n'ai rien, je n'ai que 2500. Et la nuit, avant de se coucher, il a prié en demandant au Seigneur, « Seigneur, je veux manger un poulet demain parce que ce sont les fêtes. Il faudrait que je puisse avoir un poulet. » Alléluia. Et le matin, à 4 heures du matin, il dit, la voix a dit son nom. Il lui a dit, Alexis, j'ai compris, je vais te donner le poulet. Alléluia. Et le lendemain, il devait emprunter un chemin. Il avait l'habitude d'emprunter un certain chemin, la grande voix. Et pendant que la voix lui disait, je vais te donner le poulet, la voix a ajouté en lui disant, demain, lorsque tu vas sortir, n'emprunte pas la voie habituelle, mais il faut contourner par la droite. Alléluia. Et le matin, lorsqu'il est sorti, il a voulu emprunter la voie normale. Il dit, non, le Seigneur m'a dit de contourner. Et il a obéi, il a contourné. Et pendant qu'il avançait, il a rencontré un de ses amis qui lui a dit, mais c'est la fête de Pâques, qu'est-ce que toi tu fais ici? En tant qu'un bon baoulé. Il dit, non, j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis plus dans ces choses. Alléluia. Et quand l'ami est parti, quelques moments après, il a entendu un grand bruit. Et il a vu devant lui un gros poulet congelé. Gloire à Jésus. Je vais juste ajouter ce qui manquait. Je suis le frère Théo, je suis le dirigeant de la région du Sud Comoé, basé à Boisseau. Alléluia. Donc, quand il a prié et qu'il a emprunté le chemin que le Seigneur lui a montré, il dit tout d'un coup, il a entendu un grand bruit devant lui. Voilà. Acclamation à Jésus-Christ. Lord Jesus. Bible devenue une réalité palpable, Seigneur. Oh Seigneur, c'est la vérité. Ce ne sont pas des fables. La personne est là. Oh Seigneur, oh que le doute disparaisse. Oh Seigneur, oh Seigneur, que l'hésitation disparaisse. Oh Seigneur, que l'orgueil s'évanouisse. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Merci Seigneur. Amen. Frère, ça peut t'arriver. Brother, this can happen to you. Un poulet congelé avec la glace est tombé, comme le frère dit. Bah! Il y a eu un bruit, c'est tombé devant lui. A chicken that was il dit que c'était gros. Ils n'ont pas précisé. A chicken that was il a mangé frozen. Pendant 3 jours. A chicken that was frozen with ice fell before him. It was big. J'ai dit aux frères, I told the brethren, prenons le Seigneur au sérieux. Let us take the Lord earnestly. Vous savez, dans la Bible, you know, in the Bible, on te dit l'ange a rencontré Zacharie. Tu te poses la question, c'était vrai ou c'était, mais ça nous arrive déjà. You can read that the angel met the carrier or that person, and you even ask yourself the question if it is true. But this l'ange is happening to us. L'ange a dit à Gédéon. And the angel told Gédéon. C'est comme si c'était des choses du temps des ancêtres, pas mais des ancêtres, des patriarches ou des Methuselah. These are just like things of the time of the ancestors. Où des gens avaient les 900 ans. Where people were 900 years old. Ça se passe, ça se produit parmi nous. Is being produced in our midst. Pour ceux qui n'étaient pas à la veillée, une sœur, le Seigneur Jésus a mis la main dans son ventre et a enlevé les boules. For those who were not deux boules. At the prayer night, the Lord Jesus put his hand in the womb of a sister and removed 2 nodules. Il y a un jeune homme qui était bloqué par l'esprit du célibat. There is a brother, a young man who was blocked by the spirit of celibacy. Et je vais directement. Ils ont perdu l'alliance pendant qu'ils étaient fiancés. They lost
their ring while they were engaged. Ils ont prié. They prayed. Atikwa. They prayed in Atikwa. Et il est parti de là. Il a continué la prière. And he went from there. He continued the prayer. Il dit, quand on avait brisé les envoûtements, il avait cru. He said that when we broke the bewitchment, he believed. Arrivé à la maison dans un rêve. When he got home in a dream, il voit une femme qui sort de terre avec la poussière, les alliances partout, son corps chargé d'alliances. He sees a woman who came up from the earth with dust everywhere and rings everywhere on her body. C'est-à-dire, elle est sortie, c'est le séjour des morts, elle est montée de la terre. That is, it is Hades, she came up from the earth. Et le frère voulait récupérer l'alliance. And the brother wanted to take le combat était rude. The ring, and the battle was great. Combien d'anges sont descendus? How many angels came down? Deux anges. Two angels came down. On frappé. Non, dis ce qu'ils ont fait. Tu retiens vite les témoignages. J'ai dit ça pour que nous voyons où Dieu nous amène. I say all this for you, for us to see where God is taking us to. Nous ne pouvons pas commencer une croisade, sortir comme nous y sommes entrés. We cannot start a crusade and come out of that crusade as we started. Tu entres avec un cœur lourd, plein de colère. Tu sors avec un cœur lourd, plein de colère. C'est qu'on a raté. You get into the crusade with a heavy heart full of anger and you come out of the crusade with the same heart. Then you have failed. Frère, quand les anges interviennent, brethren, when the angels intervene, pour travailler avec les croyants, to work with the believers, c'est glorieux. It is glorious. Si tu as le doute, il faut te convertir. If you have doubt, you must get converted. Dis amen. Say amen. Alléluia. Il s'agit du mari de la sœur Carole, une sœur de Yamoussoukro. Et comme papa disait, je vais prendre là où il a arrêté. Après la prière, le frère est rentré. Il a continué. Nous avons prié ce jour-là un samedi. Dans la nuit du samedi au dimanche matin, c'est là qu'il a fait le rêve. Et il avait une vision dans le rêve. C'est là que cette femme est sortie du séjour des morts avec les alliances, les bagues sur tout son corps. Et le frère, comme le combat dépassait déjà sa dimension, il a pris peur quand il a vu la femme, une grosse femme avec les alliances sur tout son corps. Et deux anges sont descendus. Les anges ont d'abord récupéré toutes les alliances sur le corps de la femme. Jésus. Et comme sa part d'alliance était parmi les alliances récupérées par par les deux anges, les anges ont remis lui son alliance maintenant. Quand il a récupéré l'alliance était dans sa main. Et la femme a continué à bavarder que tu ne vas pas te marier. Toi et ta femme, vous n'allez jamais vous marier. Comme elle bavardait beaucoup, les anges ont commandé au nom de Jésus, la femme a disparu. Jésus. Un grand acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Jesus. Le frère, avant de dire à sa fiancée de venir à Tiekwa, il avait demandé à sa fiancée qu'elle essaie d'acheter une alliance pour mesurer à son doigt. Et comme ça, quand elle va venir, lui va récupérer cette alliance de fiançailles-là. Et puis, il va confectionner maintenant les alliances du mariage. Quand la soeur est venue, les deux ont oublié. Après la prière, la soeur est rentrée. C'est là qu'il s'est souvenu. Et il a demandé à son dirigeant de récupérer l'alliance avec la soeur. Le dirigeant a récupéré l'alliance, il l'a mis dans sa Bible. Là où il y a la fermeture éclair, généralement les poches de la Bible, là où il y a la fermeture, les protège-Bible. Il a mis l'alliance là-bas. Quand le frère a demandé au dirigeant, est-ce que l'alliance se trouve avec toi? Le dirigeant a cherché l'alliance, il n'a pas retrouvé l'alliance. Mais après le rêve, après cette victoire, le lendemain, le dirigeant appelle le frère pour lui dire que j'ai retrouvé l'alliance.
Jésus. Et le dirigeant et le frère, c'est-à-dire que le fiancé de la soeur Carole en son temps-là, se sont retrouvés, le fiancé a récupéré l'alliance et ils ont fait la dot, il a confessionné, le mariage a eu lieu et nos bien-aimés étaient mariés quand nous partions à Yamoussoukro pour la convention. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc il faut un effort conscient. So this needs pour rejeter le péché. A conscious effort to reject sin. Et pour entrer dans la bénédiction. And to enter blessing. C'est-à-dire pour t'établir dans le réveil. That is to establish yourself in revival. Je dis bien un effort conscient, c'est un combat. I say it well, a conscious effort. It is a warfare. Quand un apôtre, when an apostle, te dit que tells you, il te révèle, he reveals to que you, le péché enveloppe facilement. That sin easily ensnares. Il parle par expérience. He is speaking by experience. Et quand tu es un enfant de Dieu, and when you are a child of God, tu reconnais qu'il a raison. You acknowledge that he is right. Alléluia. Praise the Lord. Les fardeaux, burdens, c'est l'homme lui-même qui les porte. It is man himself who bears them. Il ne se laisse pas aider. He does not let himself be helped. Il ne laisse pas le Seigneur Jésus résoudre ses problèmes. He does not let the Lord Jesus solve his problems. Il laisse les inquiétudes l'envahir. He lets worries invade him. Et le Seigneur a dit, and the Lord said, lequel d'entre vous, whom among you, qui par ses soucis, who by his worries, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, can add to his life. Alors, s'il n'y a personne, so if there's no one, si nous-mêmes nous sommes conscients, if we ourselves are aware, que les inquiétudes ne peuvent rien réparer, that worries cannot repair anything, les soucis, worries, concerns, ne peuvent pas te délivrer, cannot deliver you. Donc il faut déposer ce fardeau au pied du Seigneur et être libre. So you must lay down those burdens at the feet of the Lord and be free. Il faut apprendre à vivre partout. You must learn to live everywhere. Et dans toutes les conditions. And in all the conditions. Toujours joyeux en Christ. Always joyful in Christ. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. The Bible says, rejoice in the Lord always. I repeat, rejoice. Si tu te promènes avec les fardeaux affichés sur toi, if you wander with burdens stuck on you, ça ne va rien changer. This will not change anything. Mais si tu les déposes au pied du Seigneur Jésus. But if you lay them down at the feet of the Lord Jesus, le premier gain, the first gain, tu es léger, you become light, tu peux courir avec persévérance, you can, the heart of man is wicked, et il est rempli de pensées d'immoralité, d'adultère, de vol, de meurtre, and it is filled with thought of immorality, adultery, murder, comme le Seigneur Jésus l'a enseigné, as the Lord Jesus taught it. Et comme cela est écrit dans Marc 7:21. And as it is written in Mark 7:21. Donc, chercher Dieu de tout son cœur. So seeking God with all our veut heart. Veut dire que tu te débarrasses de tout ce qui est entré dans le cœur pour occuper la place de Dieu. Means that you must get rid of all that entered the heart to take the place of God. Ça demande la violence. This requires violence. Tu peux avoir des problèmes. You can have troubles. Tu peux être malade. You can be sick. Mais la maladie n'habite pas dans le cœur. But the sickness does not dwell in the heart. Le cœur comme esprit de l'homme, comme centre de l'homme. The heart is the spirit of man. It is at the center of man. La chose qui occupe cette place-là,
The thing that occupies that place, c'est la chose que tu vas aimer. It is that thing that you will love. Les choses que nous aimons, the things that we love, ont pour lieu d'habitation notre cœur. The dwelling place of those things is our heart. Quand tu veux chercher Dieu déjà, when you want to seek God, la première chose, the first thing, c'est de chasser toutes ces choses-là. Is to cast away all these things. C'est pour ça qu'il dit de tout votre cœur. That's why he says with all your heart. C'est-à-dire que tu te sanctifies. That is, you sanctify yourself. Tu te détermines. And you decide. Tu dis il faut. You say I must. Que je trouve Dieu. Find God. Et s'il y a une barrière, and if there is a barrier, toi-même tu la brises. You yourself must break it. Si Dieu te voit, if God sees you, déterminé, determined, à le connaître, to know him, il dit je me laisserai trouver. He said I will let myself be found. Je me laisserai trouver. I will let myself be found. Quand on parle de marcher selon la prophétie de Bertrand, when we talk about walking according to the prophecy of Bertrand, c'est une prophétie qui montre le chemin de la marche victorieuse. It's a prophecy that shows the way of victorious world. Une marche étant établie dans le réveil spirituel. You walk being established in the spiritual revival. Ou par maturité, tu sais toi-même te débarrasser de ce qui t'empêche d'embrasser Dieu. Or by maturity, you yourself know how to get rid of that which prevents you from embracing God. Tout dirigeant spirituel, any spiritual leader, doit être capable, must be able, de restaurer la gloire de Dieu dans sa vie. To restore the glory of God in his life. Le frère Zach disait, the brother Zach was saying, celui qui ne sait pas revenir à Dieu, the one that do not know how to come back to God, est condamné à la ruine. Is doomed forever. Un homme normal, normal man, sait comment faire quand il est tombé. Knows how to do when he has fallen. Un croyant normal, a normal believer, sait comment se réveiller du sommeil. Knows how to wake up from his sleep. Supposons que tu as perdu l'amour pour la parole de Dieu. Supposing that you have lost love for the word of tu God. Tu sais comment revenir. You know how to come back. Si tu ne sais pas comment revenir, if you don't know how to come back, tu ne peux pas diriger les autres. You cannot lead others. Tu ne peux pas diriger les you autres. Cannot lead others. Si à chaque tentation tu tombes, if at any temptation you fall down, et tu attends les soins intensifs, and you are expecting intensive cares, quand tu tombes, après 6 mois, tu te relèves. When you fall down after 6 months, you wake up. Toujours de longues maladies spirituelles. Always long spiritual sicknesses. Tu ne peux pas être dirigeant. You cannot be a leader. Un dirigeant est un homme debout. A leader is a man who is stood. Le frère Zach a écrit beaucoup de livres sur la prière. Brother Zach wrote a lot of book on prayer. Mais à mon humble avis, le livre le plus puissant, but to my mind, the most powerful book, c'est l'art de l'intercession. Is the art of intercession. Il dit la prière là, même quand tu ne veux pas prier, prie. He said prayer, even if you cannot pray, pray. Tu es malade, prie. Tu n'es pas malade. If you are sick, pray. You are not sick, pray. Tu aimes la prière, prie. Tu you love prayer, pray. You don't love prayer, pray. Tu es tombé, prie. Tu n'es pas tombé, prie. Tu as péché, prie. Tu n'as pas péché, prie. You have fallen, pray. You have not fallen, pray. You have sinned, pray. You have et not sinned, pray. Il veut montrer que dans tous les cas, la prière est au centre. He wants to show that by all means, prayer is at the center. Tu es tenté. Ne dis pas que je suis tenté, je ne prie pas aujourd'hui. You are tempted. Do not say that I'm tempted, that I cannot pray today. Prie parce que tu es tenté. Pray because you are tempted. Si tu pratiques ça, if you've practiced this, tu ne mourras jamais. You will never die. Jamais. Never. Maintenant, tu ajoutes les autres livres. Quand tu vis, tu peux ajouter les autres livres de prière. Now you can add the other prayer books when you are alive. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous me chercherez. You shall seek me. Vous me trouverez. You shall find me. Vous me chercherez. You shall seek me. Vous me trouverez. You shall find me. Vous notez ceci. Note this.
Quand tu vis dans le péché, when you live in sin, si tu essaies de chercher Dieu, if you try to seek God, tu le cherches en vain. You seek him in vain. Il ne va pas se révéler. He will not reveal himself. Il ne va pas se montrer. He will not show himself. Parce qu'il dit de tout votre cœur. Because he said with all your heart. Il dit si tu vis dans le péché, he says if you sin, you live in sin. Si tu cherches Dieu, if you seek God, tu vas tâtonner. You will grope about. Il ne va pas se laisser trouver. He will not let himself be found. Lis pour nous Actes chapitre 17 verset 24. Read for us Acts chapter 17 verse 24. Verset 24 à 31. Verse 24 to 31. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le bord de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc au verset 27, il dit qu'il a voulu qu'il cherchasse Dieu, qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforça de le trouver en tâtonnant. And verse 27, he says, so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him and find him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Note this. Les temps glorieux promis, the glorious time that have been promised, ne peuvent pas arriver sans la volonté de l'homme qui est appelé à constater son échec. Cannot become real without the will of man who is called to see, to notice his failure. Quand tu as cherché Dieu en vain, tu tâtonnes, tu ne le trouves pas. When you have sought God in vain, you grope for him and you do not find him. Les choses ne peuvent pas changer si tu ne décides pas de devenir sérieux. Things will not change if you don't decide to become earnest. L'homme doit s'engager à chercher Dieu. Man must be committed to seek God et à le servir. And serve him. Chercher Dieu, seeking God, pour pouvoir le servir. In order to serve him. Alléluia. Praise the Lord. Le Seigneur promet que l'homme qui le cherche le trouvera. The Lord promises that the man that seeks him will find him. Si et seulement si il le cherche de tout son cœur, de tout son cœur. Only if he seeks him with all his heart. Donc l'homme doit désirer la présence de Dieu. So man must desire the presence of God. L'homme doit désirer la compagnie de Dieu. Man must desire the companion of God. L'homme doit se séparer de tout ce qui l'empêche de trouver Dieu. Man must depart from all that prevents him to find God. Et d'accomplir sa volonté. And to fulfill his will. Il se sépare de tout ce qui l'empêche de connaître Dieu, de connaître la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. He must depart from all that prevents him to know God, to find God and to do the will of God. C'est ce qu'il faut entendre par de tout son cœur. That's what you must understand by
with all his heart. Il faut une volonté très active, engagée de trouver Dieu. You need a will that is active and committed to find God. De chercher à connaître ses voies. To seek to know his ways. De chercher à connaître ses desseins. To seek to know his purposes. De chercher à connaître ses volontés. To seek to know his wills. Et s'engager à obéir. And be committed to obey. Lis pour nous Exode 33, versets 12 et 13. Read for us Exodus 33, verse 12 and 13. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Amen. Then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. Now, therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. Amen. Alleluia. Praise the Lord. Vous voyez très bien. You see it clearly. Moïse était en train de prier. Moses was praying. Il priait pour le peuple d'Israël qui avait fabriqué le veau d'or. He was praying for the people of Israel who made the golden calf. Dieu était en train de refuser de restaurer le peuple d'Israël. God was refusing to restore the people of Israel. Et dans le passage que le frère vient de lire, in this passage we have just read, Dieu lui a dit, je serai avec toi, toi pas vous, toi. God told him, I will be with you, not all of you, but you, Moses. Il n'a pas accepté. He refused. Moïse n'a pas accepté. Moses refused. Il dit à Dieu, he told God, si toi-même tu n'es pas avec nous, if you yourself is not with us, ça ne peut pas marcher. It cannot work. Et il dit à Dieu, he tells God, il faut que je te connaisse. I must know you. Ça c'est très important. This is very capital. Et il dit, si je te connais, he says, if I know you, je vais encore trouver grâce à tes yeux. I will still find grace in your sight. Donc quand tu cherches Dieu, so when you seek God, c'est parce que tu veux le connaître. It's because you want to know him. Moïse dit à l'Éternel, Moses told the Lord, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Behold, you say, take these people up. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. But you have not let me know whom you will send with me. Cependant tu as dit, yet you have said, je te connais par ton nom. I know you by name. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. And you have found grace in my sight. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, now therefore I pray, if I have found grace in your eyes, fais-moi connaître tes voies. Show me now your way. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. That I may know you and that I may find grace in your sight. Considère que cette nation est ton peuple. And consider that this nation is your people. Fais-moi connaître tes voies. Let me know your way. Le but ultime, the ultimate goal, de la recherche de Dieu, for searching God, c'est le connaître. Is to know him. C'est le connaître. Is to know him. De telle sorte que si tu veux l'adorer, so that if you want to worship him, que ce soit une adoration à partir de la connaissance, de la révélation. That your worshiping should be grounded on the knowledge of God. Si tu veux le servir, if you want to serve him, que ce soit un service d'un homme illuminé, d'un homme qui a reçu la révélation. It must be the service of a man that has been enlightened, that is
a man that has received revelation. Quand tu connais Dieu, when you know God, et que tu fais ce qu'il veut, and you do what he wants, tu trouves grâce à ses yeux. You find grace in his sight. Moïse savait que si Dieu lui révèle ses voies, Moses knew that if God reveals his ways to him, il saura comment prier. He will know how to pray. Et Dieu va exaucer. And God will grant. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, voici une période. Brethren, here is a period. Quand tu appelles un frère, when we call a brother, dis-lui frère, tell him, c'est un temps de grâce. It's a time of grace. Cherchons Dieu. Let us seek God. Trouvons-le. Let us find him. Connaissons-le. Let us know him. Aimons-le. Let us love him. Faisons de lui notre joie suprême. Let us make of him our supreme joy. Et engageons-nous au service. And let us be committed to the pour service. Partager la même expérience avec les autres. To share the same experience with the others. Exhortons-nous de cette manière. Let us exhort ourselves in this way. La Bible dit exhortez-vous aux bonnes œuvres. The Bible says that exhort yourself to do good works. Excite ton frère à faire ce qui est bien. Encourage your brother to do what is that which is good. Ceux qui savent chanter, demande-leur s'ils ont déjà composé des chants. Those who know how to sing, ask them if they have already composed songs. Normalement, une période comme celle-ci, il nous faut un nouveau chant chaque jour. Normally, a moment like this one, we need a new song every day. Une vie sans monument. A life without a monument n'est pas spirituel, c'est is pas not bien. Spiritual. A life without movement is not spiritual. Qu'est-ce que le Seigneur laisse au milieu de nous? What does the Lord leave pendant cette in our période, midst? Comme le fruit de ce que nous sommes en train de faire. As the fruit of what we are doing. Qu'est-ce qu'il laisse dans ma vie personnelle? What does the Lord leave in my personal life? Les semeurs. So is. Chanter l'histoire. Sing the story. Les anciens composaient des cantiques d'anciens. Elders, you must compose songs. Il y a une chose qu'il faut combattre. On va la combattre ensemble. There is one thing that we should fight. We'll fight it together. Les sœurs sont premières en toutes choses. The sisters are first in all things. Jeûne de 40 jours. Combien de personnes ont jeûné? Les sœurs sont premières. 40 days fasting. How many people are fasting? Are fasted? The sisters are first. Ce soir, il y a combien de sœurs dans la salle? This pas ceux qui ne sont pas là. Evening, how many sœurs are there in the room? 64. Il y a combien de 74. Combien d'hommes? Count the men. Combien? 24. 46. C'est 40, bien compté. 50 sisters and 24 brethren. C'est comme ça partout. L'UMPJ, frère bien-aimé. The World University of Prayer and Fasting. Là, si on dit quelque part que tous les docteurs ne sont que les femmes, est-ce que c'est bien? Even he said that une université ouvre commence à former les gens et après il n'y a que les femmes qui sont docteurs. A university start training people and after it's only the sisters that are doctors. Prochaine session, moi-même je serai assis dans la salle. Next session, I myself will be sitting. Et c'est le pasteur Lombe qui va venir me chercher à la maison. It is Pastor Lombe who will come and seek me home. Comme ça, je suis sûr que nous serons au moins deux. In this way, I'll be sure that we'll be at least two. Quand les autres hommes vont entendre, when the other men will hear, ce jour-là, that day, l'histoire va changer. The story will change. C'est sérieux. It is earnest. Université mondiale de Dieu de la prière, tu vois, les femmes ont tout pris. University, where the University of Fasting and Prayer, the women has taken it all. Have taken it all. Donc que les hommes nous composent des chants. So let men compose songs. Tu vois là, personne n'acclame. See, no one is clapping.
Non, attendez. Sauf, oui. Sauf si les femmes ont fait ça. Pour être seules. Except if the women have done this to be alone. Nous étions petits, on bloquait les autres comme ça. They have blocked the others like this to be alone. Donc détruisez ce blocage. So destroy that blockage. Et renseignez-vous sur la prochaine date. And get information about the next date. Nous allons produire une révolution. We are going to produce a revolution. Mais Dieu m'a parlé. Brethren, God spoke to me. J'ai dit ça avec humour comme nous sommes en temps de joie. I say this with humor as we are in time of joy. Mais tous les missionnaires numéro un sont invités. Tous les missionnaires vont annoncer la nouvelle. You must give the news. All the number one missionaries are invited. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu vis dans le péché, when you live in sin, tu cherches Dieu en tâtonnant. You seek God by groping about. Dans Isaïe 59, il dit que nous tâtonnons de jour comme la nuit. In Isaiah 59, he says that we grope about day in and day out. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. We grope about as those ones who do not have God. Mais quand on connaît Dieu, but when you know God, on ne tâtonne pas. We do not grope about. Et pour connaître Dieu, but to know il faut God, le chercher de tout ton cœur. You must seek him with all your heart. Et il va se laisser trouver. And he will allow himself to be found. Quand il se laisse trouver, when he let himself be found, sa connaissance te remplit. His knowledge fills you. Sa présence impartit directement les capacités. His presence in you directly imparted in parts capacities. Quand tu marches dans la présence de Dieu, when you walk in the presence of God, tu peux faire un travail que tu n'as jamais appris. You can do a work that you have never learned before. Avec le même verset, tu peux gagner des milliers de personnes. With the same verse, you can win thousands of people. Et à chaque fois, l'Esprit te donnera une signification différente de la première. And in each time, the Spirit will give you a meaning that differs from the first one. Et tu seras renouvelé. And you will be renewed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu as compris, if you have understood, ce que Dieu nous demande, what God is requiring us, comment il veut que nous sortions de cette croisade, how he wants us to end this crusade, le travail qu'il faut faire dans nos cœurs, dans nos vies, the work that is to be done in our hearts and in our lives, pour notre édification, for our edification, et le travail qu'il faut faire, and the work that is to be done, hors de nous, c'est-à-dire hors de nos vies, out of our life, pour frapper les adversaires, to strike the adversaries, démolir ce qu'il faut démolir, to demolish what is to be casser demolished, les forteresses, to break renverser les hauteurs, overthrow heights. Ce travail là, that work, doit nous permettre de sortir étant enrichi, will allow us to finish this crusade being enriched. Que chacun le comprenne. Let each one understand it. De telle sorte que quand il est seul, il coopère avec le Saint-Esprit. So that when he is alone, he cooperates with the Holy Spirit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Et prions ensemble. Let us pray together. Qui est cette victoire? That there should be that victory au niveau individuel. At the individual level. Victoire. Victory au niveau collectif. At the collective level. Que le cœur soit libéré. Let the heart be released. De toute idolâtrie, de tout péché. From any sin and any idolatry. Que tu sois libre, léger, sans fardeau. That you should be free, light, without any burden. Que l'ennemi soit frappé. Let the enemy be struck. Qu'il soit frappé.
that the enemy be struck. Et il y aura des portes ouvertes partout. And there will be open doors everywhere. Convertir les âmes sera très aisé. Converting très souls. Facile. Converting souls will be very easy. Qu'il y ait des restaurations, que les relations soient restaurées. Let the relations be restored. Que l'amour fraternel augmente. That the brotherly love increase. Comme fruit de ce travail. As a fruit of that work. Que chacun de nous soit exhortateur, prophète auprès de son frère. That each of us be a prophet and someone that exhorts toward his brother. Prions ensemble. Let us pray together. Seigneur notre Père. Oh Dieu. Donne à chacun de sortir de ce jeûne, de cette croisade, enrichi, béni. Oh, Yabakashabaka.